Vous allez Salut, bien? ça va et vous? Oui, ça va. Ça va? Salut. Oui, Ava va bien? Ça va, ça va. Ouais, pas trop dur ce confinement? Pas toujours évident, pas toujours évident. C'est sûr, c'est sûr. Vous avez un petit espace jardin quand même? Pas du tout? Dans Non. l'appartement, on a une petite terrasse. On sort un petit peu en bas pendant 1 heure le matin. On est nombreux dans ce cas-là, oui. C'est C'est ça. ça, c'est ça. C'est ça. Bon, on en est où avec Ava et elle en est où de tout Bah ça? oui, justement, je vous appelais pour avoir des petits conseils au niveau de la propreté, parce que savoir si la nuit je pouvais enlever la couche, par exemple, ou quand est-ce que je pouvais enlever la couche, est-ce que c'était le moment. Au niveau de la journée, tout se passe bien, ça y est? Au niveau de la journée, j'ai eu une petite régression, bien sûr, à la maison, parce que on a tendance à demander la couche pour même faire pipi, et bon, après, on la sollicite tout le temps, donc ça se passe plutôt bien, on va dire. D'accord. Bah pour la nuit, c'est la suite logique. Il faut attendre un petit peu, lui demander si elle se sent. Et puis, bah, si dans quelques jours la couche est sèche, vous pouvez lui proposer de lui enlever. Ça, voilà, c'est les débuts. Après, vous verrez. Alors, on n'est pas à l'abri des accidents, hein, de toute façon. Mais bon, voilà. Voilà. Mais bon, après, voilà, c'est la suite logique. Ça va venir doucement. Il faut lui laisser le temps. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vais vous envoyer ça par mail. Je vais vous chercher ça et on a fait un petit avec les autres éducatrices, on a regroupé pas mal d'activités. Je vais vous les faire suivre par mail. D'accord? Bon, bah écoutez, ça m'a fait bien plaisir d'avoir de vos nouvelles. Prenez bien soin de Merci vous. beaucoup, Marie. Et Oui, puis prenez soin de vous et de votre famille. merci et puis à Et bientôt. on espère se voir bientôt. Oui, nous aussi. À très vite. Merci, à Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.